quand même très très relâché. On sentait une grande sérénité, même si encore une fois vous avez beaucoup aidé. Oui, bah, j'essaye de rester sur la continuité de ce que j'ai fait depuis le début d'année. Une bonne tournée australienne, un tournoi, bah, là, j'ai gagné un tournoi il y a 2 semaines, donc forcément il y a un peu de confiance. Je me suis simplement concentré sur ce que je faisais bien et puis le match il s'est passé. C'est vrai que c'était assez tranquille et je me suis jamais senti inquiété à part le premier jeu du deuxième où je suis à 0,40 sur mon service. Maintenant c'est bien que vous ressentiez ça parce que voilà, j'avais pas spécialement des super sensations au début. Donc voilà, j'ai bien camouflé, c'est génial. Comment tu envisages le prochain match qui est un joli défi prochain tour? Eh bien oui, exactement, comme un défi, un joli défi, parce que c'est un joueur voilà, qui a gagné la semaine dernière, qui est l'un des meilleurs sur cette surface, et 4e ou 5e mondial, donc un match où j'ai rien à perdre, tout à gagner, et voilà, j'ai vraiment envie de me lâcher, de jouer un beau jeu d'attaque et de poser le maximum de problèmes, et puis s'il y a une chance à saisir, je vais essayer de la saisir à fond. Maintenant j'ai... Deux jours pour me préparer, il y a le double demain. Donc voilà, comme un gros défi, mais je me sens prêt à le relever.